Coucou l'hamster, ça comprend aujourd'hui sur toi avec Val et avec Lucto, bonjour. Et tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous l'avez vu dans le titre, un bug sur Helios. J'avais déjà fait sur King's Row qui n'est toujours pas corrigé. Et là on se retrouve sur Helios, sauf que sur Helios il y a une particularité, c'est pas juste en au-dessus, vous allez voir. Alors, on peut aussi changer de map, mais je tiens juste à préciser un truc, c'est que sur King's Row il a été corrigé, il a été remis par un bug. Hein. Ouais. Par l'event des... Oui, par l'event chinois. Ah bah ça date. L'event nouvelant chinois qui l'a remis. Tu connais le bug en quoi, non? Alors, c'est bon, il faut être là, ici, et attendez, il faut juste que j'aille un peu en hauteur. Alors, je vais pas demander ici. Bon, il va falloir que là, tu vois le rocher sur lequel je tire là. Non, attends, je monte. Là. What, mais vous allez trop vite. Non, mais c'est normal en fait, quel faut vraiment être vite. Voilà, et après, il faut que tu diriges vers là-bas, là, vers le poteau tout au bout. D'abord, comme ça. Tu vois le tout dernier poteau. Et après, une fois que t'es en dessous de la map, tu remontes pour aller au-dessus d'Illio Screen. Ouais, voilà. Rendez-vous et après on va changer les modes. Le problème c'est que celle dans laquelle on peut choisir partout, je suis pas sûr que vous allez réussir. Non, dirige-toi un peu plus par là-bas. Ouais. Là où je tire. Je vois pas tes tirs. Ah là-bas. Voilà, ouais, ok, maintenant remonte. Putain, t'es dedans. Ouais. Voilà, remonte. Allez, c'est bon, merci. Remonte, on se donne point de rendez-vous là où je fais bonjour. Yanda. Hey. Ok, rejoignez-moi. Donc là on est d'accord, c'est la map ruine. Ouais voilà, c'est la map ruine, il faut vraiment être en point, hein. En élimination ça marche pas. Hein. Voilà. Alors, les gars, je suis sur phare, moi. Je suis sur phare, les gars, moi. Et regarde, il y a phare. Tu vois, là on voit phare. En fait, il faut que tu traverses la montagne, Que tu dépasses une sorte de mur noir. T'as vu à quoi, genre l'arme elle est plus grosse. Bon, phare c'est le plus dur, je suis pas sûr que vous allez réussir. Attends, là il faut faire comment? Faut traverser la montagne, mais attends, je vais le faire, c'est bon. Ah oui, il y a là-bas aussi. T'as de la douille, attends. Hein, voilà. Eh, bonjour. Hola. Regarde. Et tout est bien détaillé, hein. C'est pour ça que Helio, c'est la map dans laquelle on bug le plus. Hola. Et moi, je alors, par rapport à pluie. Oui, mais attends, par rapport à pluie, le problème, c'est qu'on ne peut pas changer de perso. Par rapport à fort. C'est bizarre. Mais à quoi t'as déjà fait celui de Anamura? Ouais. Pas envie de... Entre le rocher et tout. Mais c'est en fait c'est super bizarre parce qu'ils ont modélisé plein de trucs en fait. Ils l'ont remodélisé, ils l'ont fait, mais il y a toujours un trou où on peut passer. Attendez, j'attends d'avoir mon TP pour le mettre. Ok. Et bon, vraiment en fait gars, à part dans les autres maps, le problème c'est que la gravité des objets est un peu plus. Et c'est là où mec quand tu regardes toutes les maps, tu dis putain les détails qu'ils ont fait. Regarde, je vais mettre plus en l'air. Et on va pouvoir voir tous les détails qu'ils ont fait des trois maps avec les. Le problème c'est que le premier. Par exemple, dans Anamura, c'est que tu vois, ils ont mis. Il y a des endroits où c'est toujours solide. Et c'est ça en fait qui nous fait plus. Qui nous fait aussi bugger quoi. Wow. Ils auraient pas mis des trucs solides, on ne buggerait pas. Attends, essayez de plus bouger. Voilà, tu peux poser, vous pouvez crever et venir. Non, mais en fait. Oh, attends, viens essayer d'aller là-bas. Viens faire à quoi vers la statue, la grande statue là. Ah oui, vous savez que vous pouvez monter sur le phare et sur la statue, elle est pas solide, hein, je tiens à dire. Bah, je vais quand même. Vous pouvez vous poser sur le phare au KLM en haut. Hein. Ah si, il y a un coin qui est solide sur la statue, mais j'ai plus retrouvé. La statue elle est énorme en vrai. Mais ouais. Enfin, je crois que ça doit être son épaule qui doit être solide. Ah bah, sur l'épaule ça a pas marché. Non, mais il y a vraiment une partie où c'est solide, mais vraiment une quoi. Après, t'as pas bien. Non, mais en vrai, il est bien modélisé et tout. Hein. Suicidez-vous les gars, Suicidio. Non, attends. On est. Ouais, vous allez voir quand ils vont crever. Mais en bas c'est un colisée. Oh, en bas c'est un colisée. Bah oui, ouais. Oui, je sais. Vas-y, bouge, je me suicide. On vous prévient juste, quand ils vont crever, vous allez voir. Enfin, vraiment. Ils vont vraiment. Être bien dans ruine. Ils vont respawn dans ruine. Regarde. Attends, mais c'est un truc de fou. Et on se TP comme ça. Bonjour. On fout. En fait moi ce qui me choque, enfin c'est bizarre quoi, enfin et genre là si on meurt on réapparaît ruine. On réapparaît dans ruine, oui, mais voilà. Ouais. Bon, tu pourrais quand même. Et regarde, la gravité des objets est un peu plus bizarroïde. Hein. Et le gun il est super grand quand on est au-dessus. Ouais, mais venez voir. Ouais. Vous pouvez que la gravité est un peu plus chelou. Je suis vers le ah ouais, regarde. Je suis là. Regarde, bah regarde la gravité des objets, comment elle vole bizarrement. On voit pas. Quels objets bah, tu vois pas les objets que je prends avec mon gravity gun là? Pas d'objets. Non. Ah putain, merde. En même temps, c'est normal, vous êtes en faible. Moi, en moyen, j'en vois. Et ben, les machins, la gravité des objets, je vous jure, elle porte beaucoup plus en couille que. Et regarde, tu peux changer de perso.
Attendez, venez, 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 on fait un. Attends. Ah, venez, prenez tous mail, on se met des murs comme ça. Venez sur tous sur la même ligne là. Tu vois quoi? Non, te suicide pas, non, t'es pas obligé. Attends, ah, prends le TP, prends le TP. Mais non, je suis, attends, j'ai pris. What? Eh, vous êtes en dessous, regardez, regardez où je suis. J'ai respawn sur. Sur ruine, j'ai respawn sur ruine. Bah oui, c'est normal, tu respawns pas là. Hein. Bah attendez, je vais. T'oublies qu'on est sur ruine de passe. Si j'y arrive. Ah bah essaie de le faire. Hein. Il faut que tu traverses le sol, hein, pas les murs. C'est où déjà? Il faut vraiment que quand tu traverses la montagne, tu dépasses le mur noir. Oh les gars, attendez. Oh, vu qu'on a mur infini, à 3, on peut pas genre faire. Genre on peut on monte hyper haut. Ah si, peut-être oui. Attendez, ouais, mais mec, non, mais mec, on peut mettre que 3 murs hein, par étage. Attendez, hein, les gars, je vous rejoins. Ok, c'est bon. Ouais, t'arrives. Bonjour. Val, je suis au-dessus. Ah oui, non, mais mec, attends, toi, t'es au-dessus, mec. Hein. Mec, nous, on est vraiment dedans, mec. En fait, faut que tu traverses la montagne. Attends, je vais aller sur le bateau. Je vais aller sur le bateau. Le bateau, il est pas solide non plus. Hein. Faites vos trucs, moi, je vais. Et de loin, il est bien texturé, mais de près, il est mal texturé. Ah ouais, les fenêtres. Bon, si. MDR, les fenêtres. Ouais, si tu as quoi, tu vas prendre le. Ouais, bah, tu pourras prendre le TP, hein. Bah, comme Val, en fait. Et toi, okay. Quoi, tu prends le TP. Et on va tous prendre le TP. La montagne est pas solide comme ouais, Anamo. What? Oh, les gars, ah, mon ult, il est pas. Oui, ton ult, balance... pas ultra loin. J'ai balancé un blizzard et il revient plus, là. Ah, oh, ouais, il est tout en haut. Moi, j'ai essayé d'aller sur la montagne là-bas. On va changer de carte. C'est comme dans un Amoura, mais c'est vrai. Tu veux pas en fait, c'est à moitié que des conneries. Moi, quoi. Je sais, ça, mais ça bon, on est là pour tester donc voilà. De toute façon, la vidéo, voilà, vous savez comment faire le petit glitch. Mais je pense que c'est pareil pour Tour de Lijiang et tout. Genre, on peut aller voir les trois maps. Non, Lijiang, comment ça? Ah oui, Lijiang, ouais, oui, Lijiang, oui, on peut. Ouais, je suis sur parce la que montagne. Quand en fait, on peut aller aussi loin. Genre, regardez. Ouais, parce que par exemple, quand t'es avec. Quand t'es sur la tour, déjà on est vraiment sur la tour. Bah ton truc il est. Quand tu meurs, des fois, des moments tu peux voir tout le reste. Et vous vraiment, je trouve le bug de Lijiang parce qu'il y en a un aussi. Ouais. Mais avec son bras. En fait, son bras c'est le perso qui avec lequel tu glitches le plus quoi en fait. Bah c'est son but hein, c'est la queue. Et mais vous savez que non mais il y a oui, mais il y a aussi un autre bug à Namura. Il y a pas que avec son bras. Il y en a un avec Diva. Et son mage gauche en fait il y avait sur temple d'Anubis dans une dalle peut changer de héros et te heal, mais il y avait sur temple d'Anubis aussi avec Diva, genre quand t'as remetté son mecha quand t'étais ouais mais maintenant il a été glitché lui, enfin il était patché quand même. Regardez, je savais pas qu'on pouvait aller aussi loin mec. Moi je bah si bonjour, il y a rien d'autre à faire là non? Bah en fait non, vraiment il y a plus rien d'autre à faire après avoir fait les bugs, c'est bon, t'es content quoi. Non mais vraiment celui d'un amoureux il faut réussir à faire parce que tu prends ton mage gauche avec Diva, tu peux changer de héros et te heal en même temps. L'utilité de cette vidéo c'est juste si vous voulez vous amuser avec des glitches de son bras hein, mais sinon ça sert strictement à rien. Cette vidéo ne sert à rien en elle-même. Voilà. Voilà. Ça fait toujours du bien à dire. Faites casser les poteaux. Pourquoi les poteaux ils sont invincibles sur une vidéo? Non, non, non! Oh, regarde le chien! Attends, t'es où? Chance. T'es où? Mec, tu sais que. Eh, je... Attends. Eh, regarde-moi. Eh, regarde-moi, t'es bloqué ici. À partir d'aujourd'hui, t'es bloqué ici. Ah, c'est bon. À partir d'aujourd'hui, mec, je change de perso, t'es bloqué ici. MDR, tresseur. Merde! Oh non, y'a plus de TP. Ah, si, encore. Bref, en tout cas, moi je vais. Il reste combien de chances sur ton TP? Un, je crois une. Alors, arrête de te suicider, d'accord? Moi j'ai arrêté la vidéo ici, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui ne servait à rien, mais c'est pas mon instant pub. Non, d'accord. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, les hamsters, et faites le bug de son bras sur Ilios et une sur King's Row qui a été patchée. Du coup, regardez cette vidéo. Et peut-être que. Non, c'est de Ilios. Attends, King's Row il est pas patché. Hein. Mais peut-être que celui-là il est remis. Peut-être que celui-là il va se repatcher. Je pense pas parce que en vrai, tu peux le faire. Tu dis Lio, ouais. Il est pas connu. Mais déjà, il est pas très connu et surtout, en fait, tu peux que le faire en chaos jubilatoire. Hein. Et encore, je suis même pas sûr que tu peux le faire. Si, tu veux le faire.
Et bon, comme Kinzo, il est revenu. Hein. Il sera pas battu parce que c'est bizarre. Si tu peux que le faire en KO jubilatoire, c'est pas très très gênant. Et puis ce qu'on disait aussi avant la sortie de Doomfist, c'était que sur Kinzo, en fait, quand on était donc sous la map, enfin au-dessus, il y avait un poster bizarre et du coup on cherchait des indices. Du coup, je me dis toujours que ça se trouve, ils servent de ça pour glisser des indices sur des prochains trucs, événements et tout. Parce qu'en fait, on avait vu un poster avec Doomfist qui montait à cheval. En gros, sur Kinzo, bien avant sa sortie. On croyait que c'était Doomfist, mais finalement c'est pas Doomfist. Oui, moi je me rappelle, moi je me rappelle. Ça peut faire quelques vols, mais t'étais pas là. Quoi? T'étais pas là. Deux. Quand on cherchait le poster, on te connaissait pas encore. Oui, bah sauf qu'il y a plein de vidéos sur YouTube de gars qui font. Non, parce que ça c'était vraiment pas Doomfist, c'était un autre mec, on sait toujours pas qui c'est. Bah il y avait des gens, bah, je me rappelle que sur Twitch, j'avais genre des gens qui faisaient ça en live. Oh, regardez où je suis, je savais pas qu'on pouvait aller là. T'es où? Je suis derrière le spawn. What? Genre, attends, c'est solide. Il y en avait un aussi à Illusion, c'est avec Tracer et Mei. Je suis derrière le spawn. Ah, mais on n'est pas sur la même map, merde, vous êtes où? Bah, nous, il y en avait un avec Tracer et Mei. Mais je suis bloqué. Tu mettais ton mur avec Mei. Ah, je suis bloqué, je sais pas comment je suis rentré, mais. Ah, c'est bon. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, les hamsters. Ciao. Simplement. Allez, bye bye.